Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 2 mars 2022. Je suis ravie de vous retrouver déjà pour une nouvelle vidéo de Chromatique après ma trouvaille de Crack Noix Shiny hier en live avec l'ami Pico sur la Bromatique TV. Je me suis mis à chasser tranquillou ce soir, voilà, avec mon petit setup habituel. On retrouve Cacnea phase 2. Là, c'est Bargantua le bleu que je chasse, puisque j'ai déjà le rouge. Là, j'ai le petit Gruikui. Petit Gruikui qui avance et qui est passé les 6K. Là, je suis sur le désert délassant sur ma version noire à la recherche de Marakashi, notre cactus. Et voilà, le petit Viscus Shiny sur ma recherche de Baby Manta. Alors du coup, la recherche est assez élevée puisque je suis à plus de 18 000. Je l'ai commencé pour la MRT mi-décembre 2021. Et voilà, le chiffre est à plus de 18 000, donc on va aller voir ça tout de suite après la capture. Le chiffre exact, j'ai réfléchi un petit peu à la bolle de capture, en sachant que j'ai déjà eu un viscus mâle shiny et une viscus femelle shiny, que je n'ai pas fait évoluer. Donc, ce viscus mâle, ce second donc, évoluera en moyenne shiny. Donc c'est génial. Voilà, petit indésirable, mais du coup ça me fait... ça me permet de compléter la famille visqueuse moyenne, donc c'est hyper cool. Je mets un petit peu de son. Et c'est parti. Alors rien de dangereux, j'ai regardé, j'ai checké quand même avant. Des attaques qui n'ont... Bon, y a pas de souci de... Pas de risque qu'il se blesse. Et donc, petite Honor Ball, Moyade a une couleur verte assez, assez flashy, assez particulière. Du coup, Febo Ball, Sombre Ball, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, l'Honor Ball lui ira très très bien. Voilà, Viscus est attrapé. Alors, bien sûr, j'ai trouvé un petit nom. Voilà, le premier, j'avais appelé Gorgo en référence aux Gorgones, hein, les méduses. Et lui donc, va s'appeler Pontos, qui veut dire flou. C'est aussi de la mythologie. Il hein, n'y a rien de. Rien d'inventé hein, de ma part, mais voilà, des petites rêves comme ça, sympa, j'aime bien. Voilà, nous sommes le 2 mars 2022, 23h12, heure de capture. On a le petit Viscus Shiny dans l'équipe. Mais je vais, avant de checker la nature, je vais regarder tout de suite le chiffre. Hop, voilà. Hop, c'est parti pour la calculette. Attention, 18 131, 18 131 rencontres pour ce petit viscus mâle shiny. Incroyable ce chiffre. Voilà, ces versions 5G qui m'ont apporté beaucoup de chance, notamment l'année dernière avec la première édition de la NRT. Donc un petit peu normal que je galère sur certaines de ces versions là maintenant. Ça peut pas toujours tomber sous la proba. Hein. Voilà, je re-sauvegarde une dernière fois et on va aller découvrir la nature de ce viscus mâle. Incroyable shiny, je le trouve superbe. Une petite préférence pour le mâle plutôt que la femelle d'ailleurs. La première fois que j'avais chassé viscus, donc je l'avais fait à 100%, donc 50% de chance d'avoir la femelle, 50% de chance d'avoir le mâle. Et j'étais tombée sur le mâle aussi en premier. Non, là le Dex... On va pas le voir. Hop. On va faire comme ça. On va se mettre sur mon petit Pachirisu Shiny, hein, qui est somptueux. Et qui m'accompagne depuis tant d'années aussi. Petit pari nature, Romain. Je vais dire modeste. Est-ce qu'il y a des paris nature dans le chat? Est-ce qu'il y a des paris nature pour le discussion? Moi, je vais découvrir la nature et puis on verra si quelqu'un a eu raison dans le chat bromatique, ouais, puisque Vador est actuellement en live. Je pense que vous devez l'entendre quand même pas mal. Hein. Moi, je dis timide, comme d'habitude.
Il est solo. Ok. Il est solo à dort manger. À dort manger, ce sont les PV en général. Voilà. Petites attaques tranquilles. Il a absorbe haut. Hein. Ah, c'est presque pareil. Alors, solo, c'est pas une nature terrible, mais ça baisse pas son attaque SP. Donc, bon, ma foi, pourquoi pas. Hein. C'est pas si grave que ça. Ah, on peut faire une petite ref à. Une petite ref à. Comment elle s'appelle à l'ami de la French Connection. Il se reconnaîtra. Touché Viscus. Voilà. Ça, c'est mythique. J'avais envie de le faire. On va le mettre en tête d'équipe. Voilà. Dédicace à toi, Cisa, si un jour tu passes sur cette vidéo. C'est parti. On va faire péter les étoiles. Voilà, petite recherche par surf, super sympa. C'est quoi la nature humide, du coup ? Solo. Une nature solo. Un Viscus femelle. Et voilà, le Viscus shiny. Ah, oh, il est trop beau, hein. Magnifique ce shiny. Il est trop cool. Niveau Harry Potter, le meilleur film est le 3, mais le meilleur film est le 6 pour moi. Bah ouais, mais Kashi, tu dis toujours bizarre. Alors, on va refaire péter les étoiles une ou deux fois, et puis voilà, je vais vous laisser sur ces petites images. En espérant que la phase 2 se conclue avec un petit baby manta shiny. Même si, après tout, la Viscus femelle ne déplairait pas, du coup, je pourrais avoir le couple de moyenne. Ah, quel bonheur de retrouver sur 5ème génération. J'aime beaucoup chasser sur ces versions. Je sais pas ça. Ouais, il a pas une mort de ouf. Il y a plein de chasses cool, et puis je sais pas, ce sont des générations très très cool pour chasser, notamment par repousse, parce que le repousse se réactive facilement, donc c'est assez agréable, c'est vrai. Voilà. On va faire une autre petite rencontre. Là, on a eu que des Viscus femelles. Donc, c'est une route sympa pour chasser Baby Manta. Il a 30% Baby Manta, donc c'est pas dit que je l'ai non plus à la phase 2. Hein. Je peux phaser peut-être plusieurs fois dessus, je ne sais pas. Il y a quand même 5% de Remoraid aussi sur cette recherche. Donc, c'est cool. Ah, voilà, un Viscus mâle normal. Incroyable, regardez-moi ces couleurs. Hein. Trop beau. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ces belles petites images de mon Viscus shiny, Pontos, qui évoluera en voyade. Et je vous dis à plus pour un nouveau shiny. Des bisous, ciao ciao.